Les mots d'ordre de la manifestation aujourd'hui. Eh bien, toujours les mêmes que depuis 11 samedis consécutifs. Maintenant, Nadège, non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale pour certaines professions. Et puis surtout, non au pass sanitaire pour les 12-17 ans. Une extension de cette mesure qui entrera en vigueur le 30 septembre prochain. Et bien évidemment, les Gilets jaunes y sont opposés. Je vous propose de les écouter. Le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est pour le pass sanitaire. Je ne suis pas pour du tout. Qu'on fasse le vaccin, c'est une chose, mais nous obliger à avoir un pass sanitaire, je pense pas ça normal. Une atteinte à la liberté. Je veux pouvoir aller comme avant, la vie d'avant, hein, qui ne reviendra jamais. Je ne veux pas être surveillée, je ne veux pas être avec du crédit social comme en Chine. On a des droits et il faut qu'on les respecte. Les gouvernements, de toute façon, ils sont tous pourris, de droite comme de gauche. Ici, on est tous contre le pass sanitaire, on n'est pas contre la vaccination. On est juste là pour montrer aux gens, pour montrer au gouvernement, qu'eux, ils s'entêtent, mais nous, on les suit. On est leur réponse. Ils ne veulent pas entendre la rue, bah, la rue fait encore plus de bruit. La rue va continuer à faire du bruit jusqu'à ce que Macron quitte l'Élysée. Voilà, et au-delà de s'opposer aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, les Gilets jaunes réclament toujours plus de justice sociale, plus de justice fiscale, plus de démocratie participative aussi. C'est ce à qui nous